Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un projet de création musicale autour de la pulsation. Petit rappel pour la pulsation, quand on écoute du David Guetta par exemple, c'est le truc qui fait boum, 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 boum. Ça s'appelle un beat. Et chez David Guetta, le beat est systématiquement joué sur la pulsation quasiment tout au long de l'œuvre. Ce projet pourrait être réalisé avec l'application Launchpad de Novation qui est sur iPad, iPhone ou iPod. Si vous disposez d'un terminal Android, on pourra aussi utiliser l'application Remix Live. Les deux applications sont gratuites et fonctionnent de la même façon. Trois consignes pour réaliser ce projet. Numéro 1, on va créer une œuvre de forme ABA. Ça veut dire que les deux A seront exactement pareils. Deuxième consigne. Dans la partie A, un instrument jouera la pulsation. Dans la partie B, aucun instrument ne jouera la pulsation. Dans la partie A, à nouveau un instrument qui joue la pulsation. Troisième consigne, chaque partie doit durer 16 pulsations. Et on va s'aider des applications qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser cela. C'est parti ! Nous voici dans l'application Launchpad, on va toucher le tiroir en haut à gauche pour choisir une banque parmi Dubstep, House, House 2, Tech House ou Trance. On va porter notre attention sur le petit clignotant ici qui indique la pulsation et on va tester les banques vertes qui correspondent en fait aux drums, aux batteries qui vont jouer le beat. Donc là, on entend bien la pulsation qui est jouée par chacune de ces batteries vertes qui s'appellent drums. Donc vous pouvez toutes les essayer pour choisir celle qui vous plaît le plus. Donc celle-là aussi on l'entend un peu moins fort, et la dernière à nouveau on a le beat bien fort. Alors maintenant on va choisir d'autres sons pour accompagner notre partie A. Bon mais ça me plaît, donc je vais en constituer ma première partie A. Maintenant il va s'agir de lancer les trois en même temps et de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais me préparer pour faire une partie B dans laquelle j'enlève la pulsation mais je fais d'autres banques sonores. Pareil, je compte en suivant le petit clignotant. Et attention, j'anticipe le changement. Vous voyez que j'ai changé aux alentours de 14-15 pour que ça s'effectue à 16. Voilà, à la fin, je peux appuyer sur stop ou je peux arrêter manuellement les banques. Une autre façon de fonctionner, c'est de glisser pour activer une banque complète. On se rendra compte que les boucles sont cerclées d'un petit point lumineux blanc qui nous indique combien de temps elles durent. Et donc, on peut aussi compter les parties, 16 pulsations, en regardant ce petit cercle blanc et en se focalisant sur l'une des boucles. Vous remarquerez également que j'anticipe les changements de banque de façon à ce qu'ils soient actifs vraiment sur le début de la partie et ne pas être en retard. Donc, il faudra bien s'entraîner à cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre en commentaire de cette vidéo vos productions et je me ferai un plaisir de les commenter et pourquoi pas même faire une vidéo où je décortique un petit peu vos créations. Et moi je vous dis à bientôt !